Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc au chapitre 24, versets 29 et 30. Les disciples d'Emmaüs s'efforcèrent de retenir Jésus. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Sois béni, Seigneur, toi qui exauce les prières, toi qui restes avec nous. Quand nous le demandons. Reste avec nous, Seigneur. Non seulement quand le soir s'approche, mais à chaque instant de notre vie. Rentre dans nos maisons, Seigneur. Bénis nos familles. Bénis nos amis. Bénis nos visiteurs. Nous prions Seigneur pour toutes les personnes, les petits-enfants, qui se préparent à la première communion. Dans cet évangile, nous faisons attention à la présence réelle, à ta présence réelle. Et c'est une occasion aussi pour nous rappeler la première fois nous avons pris cette communion dans l'Eucharistie. Merci Seigneur pour ce beau sacrement de ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur pour toute personne qui prépare les enfants à la première communion. Et sois béni aussi pour tes prêtres. Qui nous donne l'Eucharistie. Prions pour les enfants, prions pour leur famille, pour que cette communion les fortifie dans la foi, pour que ta présence soit une réelle bénédiction pour nous tous. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.